Le ministre de l'énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rebaha, a eu à Rabat des entretiens avec son homologue guinéen Abdoulaye Magassouba, des moyens d'impulser la coopération bilatérale dans le domaine des mines et de la géologie. Cette rencontre offre l'opportunité de tracer une feuille de route de coopération relative à la transformation, à la géologie et au contenu local, ainsi que d'échanger les expériences et les expertises en la matière dans le cadre du partenariat entre le Maroc et la Guinée, a déclaré M. Rebaha à l'issue de cette entrevue. Le cadre de partenariat entre le Maroc et la Guinée se met en œuvre. Nous avons pas mal d'axes de coopération et pas mal d'échanges d'expériences. Une belle expérience en Guinée, une très belle expérience, une belle expérience chez nous. Donc cette visite va nous permettre d'avoir une feuille de route de coopération dans le domaine de la transformation, le domaine de la géologie, le domaine du contenu local. C'est un point qui est très important parce qu'aujourd'hui, la population locale aime voir les retombées positives des exploitations minières, mais il y a d'autres axes de coopération que nous pouvons développer ensemble. Pour sa part, M. Magassouba a indiqué que ses entretiens avec le ministre marocain s'inscrivent dans le cadre du renforcement du partenariat bilatéral dans le secteur minier et font suite à l'engagement des deux chefs d'État, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Alpha Condé, pour que cette coopération historique et stratégique se transforme en projet concret. Nous avons eu une rencontre très fructueuse et cette rencontre fait suite à la volonté affirmée et avec insistance par les deux leaders, Sa Majesté le Roi Mohamed VI et le président Alpha Condé, lors des différentes visites ici et en Guinée, pour un réel engagement de tous les services au niveau ministériel, au niveau technique, pour que cette coopération historique et stratégique se transforme en projet concret. Au terme de ces entretiens, un protocole de coopération a été signé par les deux ministres dans le domaine des mines et de la géologie.